lèves en faisant n'importe quoi. Tu te couches en faisant n'importe quoi. Et entre les deux, comment dire? C'est n'importe quoi, mais en pire. Si Sa Majesté veut bien avancer, laissez passer, n'importe quoi premier. Quand tu penses, c'est n'importe quoi. Quand tu dors, c'est n'importe quoi. Quand tu rêves, c'est le feu d'artifice. C'est n'importe quoi, puissance 10. Bah, je fais des concerts, je tourne La Vie de Château, mon dernier spectacle, qui est sorti en livre-disque, en librairie. C'est pour ça que je suis dans une librairie au 9 à Saint-Dié aujourd'hui. Pour chanter quelques chansons et puis pour faire quelques dédicaces. Il attend votre grâce. Laissez passer, n'importe quoi premier. 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 Quel est votre lien avec la librairie Le Neuf? Bah, le lien, c'est que je suis Déodatien déjà, pour commencer. Enfin, même si ça fait très longtemps que je ne le suis plus. Et puis, je connais cette librairie depuis toujours. Voilà, il est là, le lien. Par exemple, vous, quand vous revenez de l'école, vous aimez bien raconter à vos parents ce que vous avez fait, tout ça? Oui. Et ils vous écoutent? Ils font semblant de vous écouter. La princesse, personne ne l'écoutait. J'ai raconté ma journée à papa. Que j'étais tombé, mais que c'était pas bien grave, un bobo, et qu'on m'avait guéri avec un petit bout de sparadrap. Je crois qu'il ne m'écoutait pas. Je crois que c'est comme si j'avais fait pipi dans un violon. Ah oui, c'est ça, pipi dans un violon. Oui, aujourd'hui on essaye un peu de rendre les objets le plus sexy possible, hein, parce qu'au départ c'est un disque de chansons. Simplement, il n'y a plus de place pour les disques en rayon. Donc on essaye d'en faire des livres, on essaye d'illustrer les chansons, on essaye de mettre une valeur ajoutée sur un disque. Oui, c'est vrai que on a un bel objet qui est sympa, avec des super belles illustrations. Je crois qu'il ne m'entendait pas. Je crois que c'est comme si j'avais fait pipi dans un violon. Si j'avais fait pipi dans un violon.